Les filles et les garçons, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Minute Fit. Bon, aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet très très grave. C'est une question qui m'a été posée, je crois, des centaines de fois. Comment lire les étiquettes alimentaires? C'est vrai, c'est pas toujours facile de comprendre et de décrypter toutes les informations qu'on vous met sur tous les emballages alimentaires, mais aujourd'hui, je vais vous donner plein d'astuces pour réussir petit à petit à décrypter toutes ces informations. La première chose que je vous conseille, c'est vraiment de vous attarder sur la liste des ingrédients. C'est elle qui va vous donner un max d'informations parce qu'en fait, ça sera la seule qui ne pourra pas vous tromper. Mon premier conseil, c'est bien évidemment de regarder la longueur de cette liste. Plus elle est courte, mieux c'est. Mon deuxième conseil, c'est de regarder s'il y a beaucoup d'ingrédients naturels simples versus les ingrédients transformés dont on ne sait pas toujours finalement en fait ce que c'est. Bien évidemment, plus il y a d'ingrédients naturels, mieux c'est. Troisièmement, ce qu'il faut également savoir et ne pas oublier, c'est que les ingrédients sont classés par ordre d'importance en termes de poids. Plus un aliment est donc en haut de la liste, plus il est contenu de manière importante dans le produit final. Par exemple, je vous recommanderais tout simplement de fuir les aliments, les biscuits, etc. dont la liste commence par exemple par sucre. Là, ça craint. En revanche, il peut y avoir certains produits un petit peu trompeurs comme les édulcorants qui ont un pouvoir sucrant extrêmement fort et d'infimes quantités suffisent pour donner ce goût sucré. Ils en mettent donc très très peu et les édulcorants vont naturellement se retrouver tout en fin de liste. Mais il y en a quand même. Une fois que vous avez lu cette liste d'ingrédients, je vous conseillerais de vous attarder sur les valeurs nutritionnelles contenues dans le petit cadre qu'on voit quasi systématiquement sur les produits. Dans ce cas-là, mon premier conseil, c'est bien évidemment de faire attention à la taille de la portion. Regardez les valeurs pour 100 grammes, c'est bien plus parlant. Mon deuxième conseil, c'est de regarder les calories sans vous y attarder. Un produit qui peut contenir énormément de calories peut être très bon pour la santé, comme les noix par exemple, à contrario de certains produits qui peuvent être moins caloriques, mais beaucoup moins intéressants. En revanche, je vous conseillerais de regarder les matières grasses en vous arrêtant surtout sur les matières grasses saturées, le mauvais gras. Plus il est bas, mieux c'est. Ensuite, je vous conseillerais également de regarder le taux de sel. De manière générale, essayez de diminuer vos apports en sel qui sont souvent beaucoup trop élevés dans notre société. Donc plus le chiffre correspondant au sel est bas, mieux c'est, tout comme pour les acides gras saturés. En cinquième point, on attaque bien sûr les glucides. La consommation de glucides est vraiment propre à chaque individu. Ça va dépendre si vous souhaitez maintenir votre poids, en prendre, en perdre. Donc dans tous les cas, ça c'est vraiment propre à vous et ça dépend de l'aliment que vous allez acheter. Quand on regarde les glucides, ce qui est le plus important, c'est de regarder la quantité de sucre qui est contenue dans le produit. Parce que le sucre fait partie des glucides, mais tous les glucides ne sont pas des sucres. Malheureusement, la quantité de sucre confond à la fois le sucre naturellement présent dans le produit, comme par exemple celui des fruits, le fructose, et confond aussi le sucre qui peut être ajouté, comme les sirops de glucose, fructose, etc. J'avais mon ordinateur qui était sur 0%. Je l'ai vu en fait à la dernière minute. Je me suis fait un coup de chaud là. Alors est-ce que je suis toujours dans le cadre par contre? Non, ça va, je pense que je suis toujours au bon endroit. Par contre, je me rends compte que j'ai des mèches qui partent vraiment. Et en dernier point, on regarde la quantité de protéines. Donc ça c'est pareil, ça dépend de l'aliment en question. C'est normal qu'elle soit proche de zéro quand vous consommez un produit qui est riche en fruits ou en légumes, ou qu'elle soit autour de 20 ou 30 grammes quand on consomme un produit de type tofu, seitan ou protéines animales. Et enfin, pour conclure le sujet, je vous dirais qu'il y a trois pièges à éviter. Le premier, c'est de ne pas s'arrêter sur les produits aux allégations alléchantes comme 0% de matière grasse, etc. Alors ok, peut-être qu'ils ne contiennent pas de matière grasse, mais contiennent en quantité trop importante des sucres. Le deuxième piège à éviter, ce sont les sucres cachés. Il y a bien souvent du sucre qui est ajouté, mais il va pas y avoir écrit sucre forcément. Et enfin, mon troisième conseil, ça serait tout simplement de fuir en fait les produits minceurs qui parfois ont des bonnes valeurs nutritionnelles. Il faut pas toujours cracher sur la soupe, des fois il y a des produits intéressants, mais malheureusement on a tendance psychologiquement à se dire je peux en manger plus. Voilà les filles et les garçons, j'espère que cette vidéo que vous m'avez très souvent demandé vous aura plu et vous aidera à l'avenir à décrypter les étiquettes alimentaires. Quant à moi, je vous fais de très très gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine, vendredi prochain 17h, pour une nouvelle vidéo Minute Fit. Ciao ciao.